Bonjour tout le monde, je suis Claire, votre animatrice de mon crochet shop. Aujourd'hui, nous allons réaliser une écharpe tout simple en double bride. La seule chose qu'il faudrait que vous sachiez, c'est quand vous voulez arrêter votre ouvrage à la longueur que vous souhaitez. Donc pour ceci, moi je vais utiliser une laine assez épaisse. Donc c'est une laine en 6. Et également, j'utilise donc le crochet correspondant en 6. Voilà, alors pour commencer, nous allons monter une nombre de chaînette qui correspondrait donc à la largeur, non pas à la longueur, mais à la largeur de votre écharpe. Alors, nous allons commencer par des mailles chaînette, donc faire une chaînette qui va correspondre donc bien à la largeur de votre écharpe. Donc vous laissez un petit peu au bout, vous faites une boucle comme ceci, vous passez la laine sur le boucle, sur la laine, vous prenez votre crochet, vous attrapez la laine au milieu et vous tirez. Voilà. Alors ne serrez pas trop pour que au moins la laine puisse glisser sur le crochet. Ensuite, vous prenez la laine, donc la laine qui est plus longue, vous tournez autour, tenez le nœud en bas et tirez à travers. Et vous répétez le même geste, donc autour, tenez le nœud à travers. Et vous continuez jusqu'à ce que vous avez la largeur souhaitée pour votre écharpe. Peu importe le nombre de chaînes que vous allez faire, c'est vraiment vous qui voyez. Et puis ça correspondrait également par rapport à votre laine. Si vous avez une laine toute fine, vous allez faire plus de mailles chaînettes. Donc vous montez jusqu'à ce que vous avez la largeur souhaitée. Alors une fois que vous avez donc la largeur souhaitée, moi c'est à peu près, je dirais 15 cm. Mais après, tout dépend de la laine. Si vous avez une laine plus fine, peut-être il faudrait continuer pour avoir une bonne largeur. J'ai à peu près 15 cm de largeur qui, pour moi, ça ira parce que je vais faire donc l'ouvrage, ce sera pour un enfant. Et il ne faut pas que ça soit trop large non plus pour aller autour du cou. Donc ensuite, vous allez monter. Une fois que vous avez votre largeur, vous allez encore monter 3 mailles. 1, 2, 3. Qui va correspondre donc le début des côtés, début du côté sur l'écharpe qui va montrer au fur et à mesure. Ensuite, on va monter donc les doubles brides. Donc vous allez compter à partir de votre crochet 3 mailles que vous avez fait. Donc 1, 2, 3. Voilà, 3, 1, 2, 3. Et on va piquer dans le quatrième. Donc 1, 2, 3. Et on pique dans le quatrième. On fait un tour de la laine. On va piquer dans le quatrième. Alors, voilà. On reprend de la laine. On tire à travers. Là, vous avez 3 sur votre crochet. Encore un tour, on prend de la laine, on ramène à travers 2, encore un tour et on ramène à travers 2. Voilà, vous avez fait votre premier bride. D'accord ? Maintenant, la même chose, donc autour, on pique dans la maille suivante, donc elle est là. Autour, on ramène, vous avez 3, autour, on ramène à travers 2 cette fois-ci. Autour et on ramène à travers 2. Voilà. Alors encore une, je fais doucement. Alors il y a plusieurs façons de mettre de la laine. Moi je tiens entre les deux doigts ici et je tiens bien l'ouvrage pour pas qu'elle bouge. Et je tourne autour comme ceci. Alors il y en a qui lâchent tout et qui remet de la laine comme ceci. Moi je trouve que c'est plus facile, mais chacune a sa façon de faire. Donc, je tourne autour, je pique ici dans le prochain, je prends de la laine, je ramène, j'ai 3 sur le crochet, je reprends de la laine à travers 2 cette fois-ci,
encore de la laine et à travers deux. Voilà, alors ça, ce sont des doubles brides. Vous voyez, ça commence à monter tranquillement. Alors nous allons continuer jusqu'au bout. Donc je vais aller un petit peu plus vite pour arriver. Continuer. Peu importe donc le nombre de mailles, puisque c'est vous qui voyez, donc la largeur que vous souhaitez. Donc là, je ne peux pas vous dire oui, on continue sur tant de mailles, parce que chacun entre vous, vous allez avoir votre propre nombre de mailles. Donc je continue avec mes doubles brides. Jusqu'à la dernière. Donc je profite pendant que je fais ceci pour vous expliquer un petit peu par rapport à mon absence. Tout simplement, j'étais en train de développer, on va dire, mon métier initial, qui est photographe professionnel. Donc voilà, plus de temps pour faire les cours de crochet, mais voilà, je reviens, j'ai plein d'idées, j'ai vraiment envie de développer donc cette passion. Vous pouvez visiter, si vous souhaitez, donc ma boutique où je vends les ouvrages. Donc je profite par rapport à Noël, si vous souhaitez, j'ai des modèles qui sont à vendre sur ma boutique qui est en ligne. Voilà, donc j'arrive à la fin. Alors j'ai changé un petit peu de façon de filmer. Avant je faisais avec un webcam qui n'était pas facile de tout, mais là j'ai donc une caméra qui n'est pas facile non plus, parce qu'en fait je fais du crochet par dessus, j'ai ma caméra qui est positionnée devant moi et je dois crocheter donc par dessus. Donc on arrive au bout. Je suis très bavarde, je sais, on me l'a déjà dit dans les commentaires, mais en même temps comme je mets pas de musique, hein, donc je continue à chatter avec vous. Voilà, donc on arrive au bout, il me reste 3 apparemment. Hop. Voilà, alors j'arrive au bout. Encore une ici. Faites attention de ne pas louper de maille, hein, parce que sinon ça va partir un peu en travers. Et là j'ai une dernière, donc pareil, je fais ma dernière bien dans le premier maille chaînette. Voilà. Et maintenant je vais monter 3 mailles chaînettes. 1, 2 et 3. Donc ceci va correspondre à le côté comme on avait fait au début, les 3 mailles ici. Ça va correspondre, donc les 3 mailles que je monte là correspond à l'autre côté. Je monte les 3 et je tourne mon ouvrage comme ceci et je continue avec des doubles brides en piquant directement donc dans les trous. Alors une astuce pour qu'elle soit bien moins ajourée, vous pouvez piquer éventuellement entre les brides, hein. Donc si vous le piquez entre les brides, vous descendez jusqu'au trou, pas ici, hein, ça sera dans la maille, et là ça sera dans la bride. Donc si vous piquez dans la bride, je vais vous montrer, je vais en faire 2-3, je vais vous montrer comment cela va se faire. En fait, vous n'aurez pas dans votre écharpe, ce sera moins ajouré, hein, il y aura moins de trous, tout simplement. Ce sera plus rempli. Voilà. Donc là, c'est si vous piquez entre les brides. Sinon, je refais. Hop. Moi, je vais faire plutôt comme ceci, en piquant dans les mailles. Alors, très important, si vous regardez bien, vous avez votre premier maille ici, d'accord, et là vous avez monté donc les 3 mailles chaînettes. Où est-ce que vous allez piquer? Alors tout simplement en bas du bride,
paillissent pas à côté. Hein. Si vous piquez là, vous allez avoir le trou. Donc faites attention de bien suivre chaque trou, chaque maille. Parce que si vous loupez, ben là, il y aura des trous dans l'écharpe. Hein. Donc on continue. Et on pique directement dans la maille qui est en dessous ou entre les brides. Et on continue jusqu'au bout. On fait la même chose. Voilà. Voilà. Alors, j'aimerais quand même que dans les commentaires, il faut bien me dire si je vais trop vite, si vous ne comprenez pas trop ce que je dis. Si je parle pas assez fort, si je parle trop, voilà. À savoir que je suis anglaise, donc j'ai un petit accent et je m'en excuse. Des fois, je fais des fautes. Hein. Je dis des le et des là où il faut pas. Mais voilà, je pense que je me fais comprendre quand même. Donc, vous continuez hein, jusqu'au bout. Quand vous arrivez au bout, donc vous montez. 3 mailles chaînettes et vous retournez. Et ceci, vous allez continuer, 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 tout simplement, la même chose, jusqu'à ce que vous avez la longueur que vous souhaitez. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je vais continuer donc à faire mon écharpe, tout simple, pour les débutants. Et je vous souhaite à tous un très bon crochet et à la prochaine fois. Au revoir.